Animateur fétiche de l'émission Les 12 coups de midi, Jean-Luc Reichmann sera présent pour la 5000e le 13 juillet 2024. Papa de 6 enfants, l'animateur a eu un lien très étroit avec Nagui car deux de leurs enfants se sont fréquentés par le passé. Il a dévoilé cette anecdote sur le plateau de C'est à vous. Tous deux présentateurs d'émissions à succès sur le petit écran, Jean-Luc Reichmann et Nagui ont également un autre point commun. Leurs filles se sont fréquentées et sont devenues amies lorsqu'elles étaient à l'école ensemble comme l'a dévoilé l'ancien animateur des 12 coups de midi dans l'émission C'est à vous. On a une ou deux filles qui se sont retrouvées dans le même collège et qui avaient même des cours en commun. En couple avec Nathalie Lecoutre et papa d'une grande famille recomposée de 6 enfants, Jean-Luc Reichmann est toujours resté très discret concernant leur identité. On connaît cependant sa fille Rosalie, mais avait néanmoins confié en 2017 qu'il avait entre 8 et 27 ans. Trois d'entre eux ont quitté la maison, sans être vraiment partis. Chaque âge a ses soucis. En sixième, il faut gérer les copains, la porte ouverte à toutes les fenêtres. Puis à un moment donné, les problèmes de cœur. Après, il y a l'entrée dans la vie professionnelle et la difficulté à trouver du boulot. Si est-il un sport national, d'avoir 6 enfants? Dites-vous que si est-il la moitié d'une boîte de, une demi-douzaine d'enfants? Avait-il raconté dans l'émission Ça commence aujourd'hui face à Faustine Bollard? De son côté, Nagui est père de 4 enfants, Nina, née en 1997 de sa relation avec Marine Vigne, ainsi que Roxane, née en 2004, Annabelle, née en 2008, et Adrien, née en 2012, fruit de son couple avec Mélanie Page. Si l'on ne sait pas exactement lesquels de leurs enfants se sont fréquentés, les deux hommes sont eux aussi amis et ont un lien fort. Jean-Luc Reichmann et Nagui, amis de longue date, ce qui a de génial avec Nagui, et si est-il qu'à chaque fois qu'on se croise, si est-il un bonheur, on a les yeux qui. Si est-il une espèce de fantasme pour moi, tiens. Le fantasme, ce serait de refaire un jour une émission avec lui avait confié Jean-Luc Reichmann dans l'émission C'est à vous.